Salut à tous. Donc on se quitte, enfin on se quitte. On quitte les Merlias. Et là un petit dialogue qui sert à que dalle. C'est juste pour fun en fait. Mais c'est assez sympa parce que ça nous permet de quitter les Merlias et en même temps de pas se faire chier quoi. Enfin sauf qu'on irait beaucoup plus vite si on. Quoique, je sais pas si le bateau va plus vite si on le dirige nous-mêmes. En tout cas je le dirige pas, hein, il se dirige tout seul. Voilà, donc il parle de l'âge de Pierce. Il demande son âge, hein. Vu que, bon, on a appris qu'en réalité, les habitants de Lemuria sont beaucoup plus vieux qu'on pourrait le croire. Mais voilà, Pierce est réticent, il veut pas dire son âge. En vrai, ça se fait pas parce que ils font des gueules normales quand ils se marrent, quoi. C'est dommage, enfin bon. Pavel, il dit rien, ça. Bon. Voilà, donc on rentre. Parce qu'il faut utiliser la synergie jambon. Je dis synergie jambon parce que je me rappelle plus les noms de la synergie. Donc j'ai dit jambon pour remplacer. Pulvérisé, donc grâce à la synergie pulvérisée, on peut passer par ici. Clac, voilà. Et là, il n'y a qu'une seule route, hein. Tout le reste c'est des cul-de-sac. Donc je prends la bonne, bien sûr. Voilà, clac, et on se retrouve. Donc pas grand chose à faire ici si ce n'est ça. Un petit coup de cyclone ici, voilà, qui nous permet d'atteindre, enfin d'atteindre entre guillemets, d'enlever la feuille. Donc voilà un petit Jin Mercure qui se cache derrière la statue de Verseau là. Bon, je dis Verseau parce que le signe du Verseau c'est une espèce de statue avec un pot d'eau. Enfin, voilà. Un petit coup de secousse qui fait tomber, enfin sortir. Et un nouveau Jin Mercure. Givre, voilà. Complètement givré. Bon, voilà. Donc, ben voilà, on a plus rien à faire ici. Donc, on quitte les Merlias. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage que les habitants de Lemuria vivent plus longtemps, vu comment ils se font chier. C'est dingue, vous avez vu, il n'y a rien à faire dans la ville. Même les animaux, ils se disent putain, on s'emmerde. Même la vache, elle ne voit même pas de train passer. Enfin, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un train viendrait foutre à Lemuria? Enfin, je sais pas, il n'y a même pas de bateau. Enfin, voilà. Et on part finalement. En plus là on a eu un bon bout d'histoire important quand même. Et là l'avantage c'est qu'on n'a pas à se retaper toute la mer dans l'autre sens. Attendez, je regarde un truc quand même. Non, là il n'y a rien à faire. Merde, je suis bloqué ou quoi? C'est quoi ce délire? Alors ça c'est dingue, je passe par là et puis après je suis bloqué pour passer dans l'autre sens. Allez, où? Oh. Ok, j'ai compris. J'adore ça, on peut passer dans un sens mais pas dans l'autre. Bon, comme ça on sait à quoi sert ce rocher. Enfin, les autres servent à rien. Voilà, donc les volcans qui servent à, qui sont ici servent à rien non plus, c'est juste pour le décor, pour le fun. Et on peut quitter Lemuria par la gauche, c'est plus rapide. Vous allez me dire, bah maintenant qu'on a fait Lemuria, qu'est-ce qu'on va se faire chier? Et bien en fait, on va enfin pouvoir passer quelque part. Vous allez voir ça. Voilà, donc là on a quitté Lemuria hein, par la gauche. Je vous rappelle qu'on était entré par le bas, c'est-à-dire ici. Non, ici, voilà. Et on va aller, alors si je me souviens bien, il faut aller ici.
Je crois qu'ici on peut passer en faisant pulvériser, ce qui nous permettra d'atteindre ces deux petits continents. Ainsi que là, en fait, je vous dis, il y a un continent ici, qui est, bah, je vais vous dire, le continent. C'est de là d'où viennent Salamandar, Phoenixia, Agathio et Kerstin. Enfin, je me rappelle plus trop du nom de la ville. Je crois que c'était un truc qui se termine par IX, un truc, genre pas 2X, mais un truc comme ça. KX, X, enfin, je sais plus. Je me rappelle plus du nom de la ville, pour moi. De toute façon, on y ira à la fin du jeu. On va explorer absolument toute la carte, hein, jusqu'à la fin du jeu. Et on va aller... attendez. Donc je vais aussi aller au marais de Taupo. Parce que... voilà, le petit hic. Bon, déjà, hop. C'est que, vous voyez, il est toujours en retard d'un jean. Pavel. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher un jean... un jean comment? Un jean Vénus. Alors, je sais pas si on peut y aller directement, enfin maintenant je veux dire. Je sais plus comment on atteint Taupo en fait. Je sais que c'est ici. Et si on passe par là, on peut pas. Parce que là il y a de l'eau et on peut pas. Si on prend un bateau par là, peut-être. On est bloqué là, ouais, donc. Ah si, il faut passer par en haut. Ouais, c'est bon. J'ai le truc. Alors là, je sais plus si on peut passer par là après. Mais je crois pas. Je vous dis, oui, vous avez remarqué. Hein, je sais rien. C'est que j'ai pas beaucoup de mémoire en fait. Et quand j'avais fini le 1, j'arrêtais pas de parler du 2 quand je jouais au 1. Et du coup, depuis les mois ont passé et puis j'ai complètement oublié le 2 quoi. Parce que je fais régulièrement d'autres RPG. Hein. Merde. Je fais n'importe quoi, je voulais pas passer par là. Je voulais passer par en bas. Voilà, là. On rentre dans la rivière carrément. Et on va atteindre une petite ville. Enfin. Petite. C'est une expression. Hein. Et comme les autres villes. Voilà, qui se trouve ici. Yalama. Donc la musique est très sympa. Et c'est une ville assez importante, enfin pas importante, je parle pas de la taille de la ville quand je dis importante, je veux parler importante du fait que... Oh, putain mais je suis trop un connard là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une énorme bourde là. En fait il y avait une vidéo, enfin je vous le dis, hein, où j'étais venu ici et j'avais vu ça. Mais c'est une vidéo que j'ai supprimée parce qu'elle était pourrie en fait. Et j'avais vu ça et j'ai dit ça en fait on peut le faire qu'avec le truc de force. Donc il faut avoir Vlad dans notre équipe. Et c'est comme ça que après j'ai dit ah merde putain j'aurais pas dû le dire que Vlad nous rejoignait. Et c'est pour ça que dans les autres vidéos après j'ai dit maintenant vous savez que Vlad est dans notre équipe. Alors que comme j'avais supprimé la vidéo vous étiez pas censé le savoir. Bon pff, tant pis maintenant vous le savez. Enfin je sais pas si je suis très clair mais je me comprends. Donc voilà ça c'est le forgeron dont je vous ai parlé, hein, je crois, qui peut forger à partir de bah, toutes les matières forgeables, c'est lui en fait. Genre, là je sais ce que j'en ai, ouais. J'ai une lame de pierre par exemple. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, et là, il fait un objet aléatoire. Donc il y en a quand même pas mal, hein, je veux dire. Par exemple, la plume sylph, enfin, je dis au pif, hein, je dis n'importe quoi. Par exemple, la plume sylph, il y a trois objets et ça en crée un des trois quoi, aléatoirement. Sachez que tous les objets forgeables on peut les avoir en plusieurs fois, tout ça. Sur le dernier ennemi du jeu, bon il y en a qui sont plus ou moins durs à voir. Et là je vous avais parlé aussi avant d'aller à Lumeria, qu'il y avait un endroit où on apprenait comment passer les courants de Lumeria, bah, c'est ici en fait. Vous allez voir, je vais parler à l'enfant. Je vais entendre une chanson de Yep, voilà. Je vais baisser le son quand même, parce que faut pas déconner. Voilà, il faut faire deux tours. En fait, ça représentait en fait le volcan dans la mer de Lumeria. Ensuite, faire ça, machin. Bon, je vous passe tous les trucs parce que c'est chiant.
sont dit oui, ben ils font tout un bordel, ils font tout le tour. Ils arrivent comme ça, tac, ils vont là, hop. Ils font un tour et à la fin ils finissent ça ici. Ils sautent sur le soleil et ils sont contents, ça sert à rien. Voilà. Voilà, bah c'est tout ce que j'avais à dire sur cette ville. Donc on va quand même se régénérer. Est-ce qu'on n'a pas des conneries à vendre? Ah mais j'ai des conneries à vendre, mais le seul problème c'est qu'il n'y a pas de magasin. Alors est-ce qu'il y a un magasin quelque part ici? Ah. Ouais. Il y a même un magasin d'armes. Un magasin d'armes, on s'en fout d'ailleurs. Botte tortue. Non, ça sert à rien ça. Plate. Ah, le plate. Ça vaut mieux. Ah bon? Elle a mieux elle. Et puis quand elle a mieux que son sabre brume. Ah oui. Donc tout ça, je les vends. Ouais. Alors on ne peut faire forger qu'un objet à la fois au forgeron, donc les autres on peut les vendre. Comme ça, je m'en fous un peu. Et que les potions que je garde comme objet qui soigne. Voilà, on fait un peu de place. Je sais pas si je devrais tout vendre comme un con, parce que de toute façon on peut le racheter, c'est pas grave. Bon, je me disais, vu que après il y a l'autre groupe qui nous rejoint, enfin bon. Voilà, bah comme ça vous avez compris, pour ceux qui n'avaient pas joué au jeu. On m'a souvent demandé en fait à quoi il sert le code que t'as rentré au début, parce que tu l'as rentré et ça n'a rien fait. C'est justement quand le groupe de Vlad nous rejoindra, on va récupérer tous les objets, les jeans, enfin, les niveaux, etc. qu'on avait dans le 1. Donc bien sûr les objets, les niveaux on s'en fout un peu, vu que les niveaux ils auront un niveau très bas par rapport à l'âge du niveau. Voilà, bah, j'ai exactement le même niveau que la fin du 1 là. Alors que je suis à la moitié du jeu à peine. Enfin, je sais pas, hein, je suis pas trop mesuré. Mais c'est pour dire. Putain, je l'ai tué un coup, quoi. En fait, j'aurais pu venir ici beaucoup plus tôt, hein, avant Lumuria. Bon, je choisis cet ordre-là. Ça prouve que le jeu n'est pas linéaire. Hein. On peut tout faire dans le désordre. Enfin, pas tout. On est obligé d'aller à Lumuria pour aller dans les continents ouest, quoi. Voilà. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que c'est surtout... c'est surtout les djinns qui sont importants à récupérer, les djinns du 1, parce que si on les a pas tous, on pourra pas faire certains donjons optionnels. Mais à part les djinns, on s'en fout du reste. Hein. Les objets, on aura mieux de toute façon. Alors ici, on va beaucoup obtenir la psy... beaucoup utiliser la synergie creusée. Mais il l'a pas. Ah, c'est elle. Voilà, une lame de pierre. Donc ceci est un... c'est le marais de Taupo, donc c'est un endroit totalement, hein, mais totalement, je suis totalement optionnel. Voilà, donc pour pas couler, il faut rejoindre les bulles, en fait. Si on coule, je crois on se retrouve au début du truc, donc c'est pas trop grave. Merde. Naïf. J'ai cru pouvoir atteindre le truc. On peut pas en fait. Donc essayez pas de faire des gros trucs pour raccourcir, parce qu'on peut pas en fait. On va juste faire le tour. Ça m'étonne là quand même, on peut pas aller à gauche. Bon, tant pis. De toute façon à gauche on s'en fout, faut aller à droite. Je sais plus ce qu'il y a à faire. Il y a pas un truc à faire genre inonder ou... Je vais pas prendre le risque. Voilà. Et c'est ici qu'il fallait arriver. Donc là, on va faire lierre en faisant ça. La lierre, bourgeon. Tout le temps je dis lierre au lieu de bourgeon en fait. Clac. Ok, ça servait à rien. Ah si. Donc je sais pas s'il faut passer par là en premier ou de l'autre côté en premier.
on s'en fout. Faudra faire les deux. Donc le Mare Topo, c'est pas ultra long, mais bon, il y a quelques trucs à voir. Le principal, c'est un jean, en fait, le reste, on s'en fout. Surtout le jean qui est important. Donc ça, on s'en fout. Alors, je crois qu'il y a des ennemis. J'en suis presque sûr, d'ailleurs. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ok, faut passer au bon moment, en fait. Ouais, ok. J'ai un petit peu paumé, là, je vous l'avoue. Ouais, il y a des ennemis. Mais des ennemis très faibles, comme vous le voyez. On sait que je suis venu ici un peu tard, quoi. Ah, quoi, qu'ils sont pas si faibles que ça. Voilà. Merci de me donner de la merde. Ça m'énerve ça, du coup je sais pas s'il faut descendre ou pas. Parce qu'après il faut se retaper tout le truc pour remonter. Ah bah voilà. Comme ça j'ai la réponse. Là je sais pas s'il faut aller à gauche ou en haut, ça m'énerve. Ok merci. Faut aller en haut. Oui je vais souvent me plaindre. Hein. Là ouais, ça c'est pour rejoindre l'endroit qu'on avait déjà. Ouais. Donc ça c'est bon. Mais en fait ça sert à rien de venir ici. Ça servait strictement à rien. Putain, je comprends pas trop parce que si on va là, ça, on revient sur le. Ouais, ça sert à rien quoi. Parce que je suis déjà allé de l'autre côté. Attendez, est-ce que je suis allé? Putain, je suis paumé. Non, là, on va revenir au truc. Donc, je vais remonter. Oh merde. Ah, est-ce que... Ouais, là, c'est là d'où je viens, ça. Ouais, donc, en fait, ça sert à rien du tout, quoi. Bon, bah, on a plus qu'à redescendre. Comme ça, on saura à quoi ça sert. Ça m'étonne, quand même. Enfin, bon. Donc, on va rentrer par là. Donc, j'ai récupéré le jean, mais j'hésite à tout faire en entier. Parce que, à part le jean, je vous dis, il y a juste des matériaux à récupérer. Et comme je vous l'ai dit, tous les meilleurs matériaux, on peut les avoir en récupérant... en les récupérant des ennemis, ouais. Ça, je m'en fous. Putain, ça sert à quoi cette merde? Parce que bon, bah, bon, allez, je le fais en entier. Parce que si je fais le Mare Topo en entier, vous inquiétez pas, c'est pas un truc ultra long non plus qui va durer 3 vidéos. Hein. Bon, je sais, je dis ça à chaque fois, et puis finalement, ça dure quand même 3 vidéos, mais. Mais là c'est vrai. Je vais me casser la gueule là. Putain, dégage. Aïe. Mais putain. Donc voilà votre jean. Je vais quand même le faire ouais, pour le fun en entier, juste pour vous montrer, pour aider les gens et tout. Quoi. Donc vous voyez, en fait, il suffit de bloquer toutes les souffleries, on va appeler ça, pour en fait permettre à que toute la pression de la soufflerie arrive sur le jean, en fait. Comme ça, c'est lui, ça va le faire tomber. Quoi. Oh putain, mais quel enculé. Putain, j'ai fait de la merde. J'ai foncé comme un con. Tiens, c'est ta faute, quoi. C'est un pauvre troll qui avait rien fait, mais il a qu'à pas passer par là. Au moment où je suis énervé. Ok, je me borde le chemin. Bon bah de toute façon, je crois qu'on va se... Ouais, quitter tout de suite. Allez, salut.